auto-victimisation. Comment ne plus être une victime de sa propre vie? On va parler sèchement, directement et clairement. Ce que je risque d'exprimer, des gens risquent de le rejeter. Mais souviens-toi d'une chose. Dans la vie, tu as toujours deux options quand tu es confronté à une réalité. Soit décider de ne pas la regarder et de continuer ta vie telle qu'elle est. Soit de la regarder et à en accepter les faits et changer pour ne plus y être confronté. Deux seules options. Fuir ou faire avec. Le rôle d'auto-victimisation est de plus en plus présent dans la société. Il peut se manifester de différentes manières. Par exemple, il y a un exercice physique qui est effectué dans un groupe de 10, 20, 30 personnes. Tu as des difficultés. Chose qui ne pose aucun problème jusque-là. Il y a toujours des gens qui ont plus de difficultés au niveau des bras, d'autres au niveau des jambes. C'est comme les étirements. Il y a des gens, ils ont plus de difficultés à avoir une tenue droite au niveau du dos. D'autres, c'est les jambes. On a tous des facilités et on a tous des choses où c'est plus difficile. Par contre, on ne réagit pas tous de la même manière en fonction de la difficulté à laquelle nous sommes confrontés en tant qu'individu. Et l'auto-victimisation, c'est quand tu es confronté à une difficulté et que tu as besoin que tout le monde sache que tu n'y arrives pas. Que tu as besoin que tout le monde sache que pour toi, c'est dur. Tu joues le rôle de l'auto-victime. Tu n'as pas besoin qu'on te rende comme une victime. Tu n'as pas besoin que les gens viennent vers toi et te disent « Ah, regarde, tu n'y arrives pas. Ah, regarde, c'est nul. Ah, regarde, c'est dur pour toi. » Tu le fais par toi-même. C'est un peu comme la censure. Il y a des gens, ils s'auto-censurent, chose que je compte pas faire dans cette vidéo et que je compte pas faire dans toutes les vidéos que je m'apprête à te partager et que je t'ai déjà partagées. Je ne compte pas m'auto-censurer. La censure est déjà présente, je n'ai pas besoin d'en rajouter. Il y a des gens, ils vont te prendre pour une victime. Ils vont faire de toi une victime, si tu les laisses ou pas le faire. Mais la pire personne à laquelle tu es confronté, c'est toi-même. C'est pas les gens qui peuvent vouloir faire de toi une victime parce que tu peux toujours te relever, être confronté à leurs propos, être confronté à leurs actes. Le problème, c'est quand tu es confronté à toi et que tu n'as jamais appris à gérer ton propre mental. Si tu n'as pas appris à faire cela, ton mental te contrôle. J'aimerais que tu prennes ça en considération. Le rôle de l'auto-victime, c'est par exemple « Ah, j'ai mal au bras, je peux faire cet exercice. » Et bien du coup, je vais montrer à tout le monde « Ah, je peux pas le faire parce que j'ai mal au bras. Je peux pas le faire parce que j'ai mal au bras. Je peux pas le faire parce que j'ai mal au bras. » Ce rôle d'auto-victime fait de toi une victime de ta propre vie. Si par exemple, je te propose un exercice où on lève les deux bras en l'air pendant 10 minutes, t'as les mains en l'air. C'est pas compliqué. On te demande juste de gérer ton propre corps, de lever tes propres bras et de les garder statiques pendant 10 minutes, par exemple. Si tu as plus de difficultés que les autres, chose que déjà tu ne sais pas, tu supposes avoir plus de difficultés que les autres. Cela est une supposition qui peut être détournée de la réalité parce que tu ne connais pas le corps de chaque individu qui est autour de toi. Mais toi, tu as eu une opération. Par ce fait, le bras droit, tu as du mal à lever, tu ne peux pas le lever. Quelqu'un qui n'est pas une victime de sa propre vie, qu'est-ce qu'elle va faire? Déjà, elle va essayer. Et peut-être ça va être dur, donc elle va baisser à moitié le bras. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'elle va faire? Peut-être que c'est trop dur. Elle va abandonner ce bras. Mais elle continuera de garder l'autre bras, parce qu'elle n'est pas une victime de sa propre vie. Elle va faire avec ce qu'elle a. Le but de l'exercice, c'est de lever les deux bras. Je ne peux pas lever les deux bras, par ce fait, je ne baisse pas les deux bras. J'en garde un en l'air. Parce que j'ai le mindset. L'auto-victimisation, c'est « Ah, j'ai mal au bras, j'essaie même pas. J'essaie même pas de lever les deux bras, je lève même pas un seul bras, et j'ai envie que les gens voient que « Ah, j'ai mal. » Une personne qui n'est pas une victime de sa propre vie, si on prend l'exemple que je te partage au niveau du bras, va lever les deux bras et va être là. Mais elle va pas montrer aux gens en mode « Ah, regardez-moi, regardez-moi, je suis une victime de ma propre vie. » Ne fais jamais ça.
Ça, c'est le rôle de l'auto-victimisation. Et je suis obligé de te le montrer visuellement pour que tu réalises que si un jour tu as joué ce rôle-là, cela va te pourrir la vie. Tu peux pas aimer le ton que j'emploie, tu peux ne pas aimer les mots que j'emploie, tu peux ne pas aimer comment je contextualise la chose. Mais c'est uniquement en voyant les faits que tu peux réagir. C'est uniquement en voyant la réalité que tu peux changer ta réalité. Si ta réalité d'avant, c'était de jouer l'auto-victime, si t'as mal quelque part, que tu peux pas faire le truc, déjà avant même de dire « je peux pas », fais. Et une fois que tu as fait, si vraiment tu ne peux pas, fais avec. Et si tu peux pas faire avec, fais pas et te plains pas. Mais dans aucune des situations de la vie, quand tu ne peux pas faire quelque chose, tu n'essaies pas. Et si tu ne peux pas faire, tu ne vas pas te plaindre. Dire aux gens que tu n'y arrives pas parce que ceci, parce que cela. Fais avec ce que tu as. Fais avec le corps que tu as. Fais avec la vie que tu as. Fais avec qui tu es. Essaie d'aller au-delà pour devenir la personne que tu aimerais être. Et une autre manière dont ça peut se manifester, ce rôle d'auto-victime. Regarde, moi il y a des trucs, tu le sais pas, mais je suis né presque grand prématuré à 6 mois et demi. Donc j'étais dans une boîte en plastique pendant 2 semaines, qu'on appelle plus communément une couveuse. J'ai eu des problèmes aux genoux, j'en suis sorti grâce au yoga, je peux m'asseoir sur mes talons, chose que je pouvais pas quand j'ai commencé. Et pas une seule fois j'ai joué le rôle de la victime. Ah regardez, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Jouer ce rôle de victime t'empêche d'avancer dans la vie. Jouer ce rôle de victime t'empêche d'avancer dans ta vie. Donc c'est le choix. C'est le choix que tu décides de faire avec ton propre mental. Parce que c'est vrai qu'on vit dans une société où on valorise les victimes. Les victimes passent à la télé. Les héros, on n'en entend pas parler. Ceci est un fait. Juste allume ta télé, tu verras. On est dans une société où on valorise la victime. La victime a une parole, mais l'héros, celui qui change la vie, celui qui aide, celui qui entreprend, celui qui crée des emplois, celui qui fait des choses, soit est dénigré, soit on n'en entend pas parler. On vit dans une société où on valorise les victimes. And I'm against it. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis contre ça. Si tu décides d'être ta propre victime, alléluia, c'est ta vie. J'ai fait le choix, il y a de longues années de cela, de ne pas jouer le rôle de la victime. S'il y a quelque chose que je peux pas faire, déjà, je peux te garantir que je vais essayer un bon nombre de fois avant d'abandonner. Et si je peux pas le faire complètement, je peux te garantir que je vais le faire au moins partiellement. Et si pour X raisons je ne peux pas du tout le faire, je ne vais pas me plaindre de ne pas avoir pu le faire. Ces trois scénarios sont différentes échelles d'auto-victimisation. Le premier étant le plus important, le second et le troisième. Et ça peut se manifester d'une autre manière. Une auto-victime, une personne en fait qui aime s'identifier au fait qu'elle est une victime, je suis victime de la vie, je suis victime de ma situation, une personne qui s'identifie à ce rôle de victime va défendre ce qui la rend faible. Exemple très controversé dont je suis extrêmement fier d'avoir prononcé, d'avoir osé dans ce monde où on va vouloir te dénigrer de par les propos que tu as eu le courage d'exprimer. La dépression n'existe pas. J'ai fait cette vidéo il y a quelques mois de cela, peut-être un an maintenant. Le temps s'écoule, tic-tac, le temps passe, que fais-tu durant ce temps-là? J'ai fait une vidéo sur la dépression n'existe pas. Déjà, les gens n'écoutent pas mes propos. C'est ça qui est marrant, c'est que il y a des gens en fait, ils n'écoutent pas la vidéo, ils prennent le titre et ils s'excitent sans avoir écouté ce que je raconte et dans quel contexte je mets les choses. Et j'exprime que la dépression n'existe pas, mais il faut écouter. Et les gens ont du mal à écouter parce que dès lors qu'il y a des mots qui les dérangent, ils réagissent. Parce qu'il n'y a pas de contrôle du mental. Il n'y a pas de calme. C'est de la réaction sans avoir absorbé l'information. Donc dans cette vidéo, je te la fais short, mais je dis que la dépression n'existe pas, que c'est de la merde, que c'est en réalité un problème de gens riches. Ceci est un fait. Cela peut te plaire, cela peut te déplaire. En Asie, il n'y a pas de dépression. En Indonésie, il n'y a pas de dépression. En Afrique, il n'y a pas de dépression. Au Moyen-Orient, il n'y a pas de dépression. La dépression est uniquement dans les pays d'Occident. Évidemment, cela est distingué comme une maladie de par les hormones que tu sécrètes, de par les pensées que tu as continué d'alimenter. Ceci est devenu des schémas de pensée. Et au bout d'un certain nombre de mois ou d'années de pensées négatives, parce que l'origine, c'est tes propres pensées. L'origine, c'est pas
Ah, la dépression est tombée du ciel, je me suis réveillé un matin, j'étais dépressif. Cela n'existe pas. La dépression, c'est pas penser négativement. La dépression, c'est de par des pensées négatives dans le temps que ton corps sécrète certaines hormones. Enfin, ton cerveau pour être exact, et après le corps aussi. Le corps réagit biologiquement de par les pensées que tu as. Mais cela n'arrive pas en une semaine de pensées négatives. Et on vit dans un monde où les gens, dès qu'ils se sentent pas bien, regardent sur internet « symptômes dépression ». En mode, tu n'es pas en dépression. Il y a de grandes chances que tu n'es pas en dépression. Bien sûr, consulte l'avis de ton médecin, il en sait plus que moi. Ouais. C'est la phrase qu'il faut dire dans cette société de gens qui veulent défendre quelque chose qui les rend faible. Donc dans cette vidéo, j'exprime clairement que la dépression n'existe pas dans ma vie. Dans la tienne peut-être, si c'est ce que tu souhaites. Au pire des cas, si quelque chose n'existe pas, tu ne peux pas expérimenter cela. C'est comme tu dis, ah, je veux aller sur la Lune. Mais si la Lune n'existe pas, tu ne peux pas y aller. Ah, je veux aller sur Reptilion. Est-ce que tu peux y aller? Non, pourquoi? Parce que cela n'existe pas. S'il y a uniquement de la tristesse, si je peux ressentir que de la tristesse, même une tristesse profonde, de par un deuil, de par... Et encore, ce n'est plus le cas parce que j'ai changé mon interprétation de ce que la mort est. Mais même s'il y a une tristesse profonde, celle-ci ne va jamais m'emmener sous terre. De par le fait que je peux être juste triste, parce que dans ma réalité, celle que j'ai décidé de confectionner, de percevoir, et celle dans laquelle je vis dans mon quotidien, la dépression n'existe pas. C'est peut-être mon influence de l'Asie et de l'Indonésie. J'ai tellement passé de temps là-bas, j'ai tellement voyagé dans 33 pays, dans plein de cultures différentes, que j'ai pu voir que dans tous ces pays-là, la dépression n'existe pas. Pourtant, ils seraient dans des situations où pour certains, ils seraient, on va dire, ils auraient coché toutes les cases pour avoir le magnifique statut, le Saint Graal, en dépression. Mais ils ne le sont pas. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent même pas ce mot. Ça n'existe même pas dans leur langue. Tu crois vraiment qu'en Bahasa, il y a le terme de dépression? Ça n'existe pas. Ils n'ont pas ces termes-là. Ils n'emploient pas ces termes-là dès qu'ils se sentent pas bien. Dès qu'ils se sentent pas bien, ils disent « je me sens pas bien, j'ai eu tel problème, voilà, là, là. » En fonction des cultures, ils picolent. En fonction des cultures, ils vont prier. En fonction des cultures, ils butent un coq. Mais ils vont pas prendre des pilules sous prétexte qu'il y a une tierce personne qui a déterminé, de part qu'une personne se sent pas bien, que celle-ci est en dépression. Et là où c'est intéressant, pour revenir à ce stade de rôle d'auto-victimisation, donc ce que je dis dans cette vidéo, c'est que pour moi, ça n'existe pas. Évidemment, consulte ton médecin, c'est un terme qui existe, okay, c'est dans le dictionnaire. Donc si Larousse l'a dit, c'est que c'est vrai. Mais dans les pays du tiers-monde, les gens ne sont pas en dépression. Regarde qui est en dépression. Que des gens dans des pays riches, qui gagnent en moyenne entre 5 à 15 fois plus que des pays dits du tiers-monde. Un terme qu'il faudrait renouveler et changer. Je ne suis pas énervé, j'appuie juste des propos et je les exprime d'une manière, avec un ton, qui a la nécessité d'être là où il est. À cette intensité. Ouais. Et toujours pas de sujet. Là, ça fait 14 minutes que je te parle. Je pourrais continuer ainsi. Pendant encore 14 minutes, si je veux. Donc pour en arriver où je veux venir, le rôle de l'auto-victime, l'auto-victimisation, c'est... Il y a un concept, il y a une maladie, il y a un symptôme, il y a une situation qui me rend victime, par définition. Je vais la défendre. Ça, c'est le Saint Graal de l'auto-victime. Je vais défendre quelque chose qui me rend faible. Désolé, mais dans ma réalité, c'est pas le choix que je fais. Si quelque chose me rend faible, je ne vais pas le défendre, je vais le détruire. Si quelque chose me rend fort, si quelqu'un m'aide dans mon quotidien, si quelqu'un m'a aidé, je vais le défendre. Si une personne m'a aidé, je la défends. Si une personne m'aide, je la défends. Si une personne me rabaisse, je la défends pas. Si une personne m'a rabaissé, je la défends pas. Et les gens regardent leur comportement quand tu as un discours sur la dépression n'existe pas. Ils défendent la dépression, tu sais pas ce que c'est, moi j'ai vécu ça pendant des années. Déjà, qu'est-ce que tu en sais que, peut-être, si j'en suis arrivé à cette réflexion, et à ce stade où j'arrive à ne jamais être triste, à ce stade où j'arrive à, allez, les pires moments de ma vie au cours de ces 7-8 dernières années, c'est je me sens pas bien pendant une heure. Et après, boum, c'est bon, c'est fini. C'est peut-être parce qu'à un moment donné de ma vie, j'étais vraiment triste.
et que peut-être à un moment donné, moi aussi j'ai regardé sur Google les symptômes de la dépression. Peut-être qu'à un moment donné de ma vie, avant que j'ai ce mindset qui me permet d'aller au-delà de tout ce à quoi je suis confronté, j'ai eu un mindset de personne faible. Tu n'arrives pas à une réalisation des événements de la vie et à une interprétation nouvelle en permanence en ayant gardé le même mindset. Ce n'est pas parce que j'ai un point de vue qui est différent du tien que je n'ai pas expérimenté ce que tu penses être le ou la seule à expérimenter. Je me souviendrai toujours de ces commentaires « Ouais, tu sais pas ce que c'est, moi j'ai été en dépression pendant plusieurs mois. Qu'est-ce que je sais pas ce que c'est ?» Tu ne connais pas de ma vie. Tu sais pas ce que j'ai vécu. Tu sais pas les rejets que j'ai eus. Tu connais pas mon enfance. Tu sais pas ce que j'ai vécu. Tu sais pas la violence qu'il pouvait y avoir. Violence physique, psychologique. Et c'est peut-être justement ça, en fait, où j'ai réalisé que je prenais un chemin d'auto-victime. Que je prenais le chemin d'être une victime de ma vie. Et un jour, j'ai changé. Un jour, j'ai pris la décision que cela n'arriverait plus. Que si des gens cherchent à me rendre victime, je leur dis « go fuck yourself ». Ouais, c'est comme ça qu'il faut le dire. Et si je veux me rendre moi comme étant une victime, c'est bien que ma manière de penser ne va pas. Donc je vais te dire les choses telles quelles. Oui, la dépression existe, c'est un terme médical. C'est dans le dictionnaire Larousse. Si Larousse l'a dit, c'est que c'est vrai. Ouais. Si tu défends cette idée de dépression, tu n'as pas l'esprit, le mindset qui te permet d'aller au-delà, quelle que soit la souffrance de la vie. C'est même pas la peine de polémiquer. Tu peux croire ce que tu crois, ça me va. Mais laisse-moi croire ce que je veux croire. Par contre, je peux te garantir une chose. Si tu as l'état d'esprit de vouloir défendre des principes qui te rendent faible, mentalement, qui t'empêchent ou qui vont faire en sorte que dès lors que tu vas être confronté à un événement de la vie, tu vas être triste, tu vas être abattu, tu vas baisser la tête, tu vas baisser les bras. Si tu défends ce genre de situation, tu continueras de les vivre jusqu'à la fin de ta vie. Oui, tu peux vivre des moments difficiles dans la vie. Oui, tu peux te sentir complètement ramassé. Oui, tu peux baisser les bras dans la vie. Mais il y a une différence entre baisser les bras à un moment donné et déjà les relever. Il y a une différence entre baisser les bras, les relever et aussi le fait de se dire « Ah, regardez, j'ai baissé les bras, je suis faible. » Il y a une différence aussi du fait de défendre l'événement, la situation, la maladie, le contexte qui a fait en sorte que tu baisses les bras. C'est hallucinant d'en arriver à un stade comme ça, de vouloir défendre quelque chose qui te rend faible. Juste illustre la chose de la manière suivante. T'as deux amis. Il y en a un, il t'aide à ne jamais être triste, à être heureux et à affronter toutes les situations de la vie. Et il y en a un autre, il fait qu'une seule chose, c'est te rabaisser en permanence. Regarde comment t'es une merde, regarde comment t'es une merde et regarde comment t'es une merde. Défendre la dépression, c'est un petit peu comme si tu défendais l'ami qui te rabaissait. C'est illogique. Tu as le droit de croire ce que tu veux croire ou de déterminer des faits qui ne sont peut-être pas des faits. Mais défendre une idée qui te rend faible te rendra faible. Mon rôle à travers toutes les vidéos que je t'ai partagées, c'est de forger un état d'esprit, de forger un quotidien qui te permet d'aller au-delà de tous les événements de la vie. De te préparer. La plupart des gens ne se préparent jamais à ce qui peut arriver. Faut que tu sois préparé. Il va y avoir des choses dans ta vie qui vont être dramatiques. It's called life. Il va y avoir des gens dans ton quotidien qui vont mourir. It's called life. Il va y avoir des gens qui vont te décevoir. It's called life. Il va y avoir des gens qui vont trahir. It's called life. Il va y avoir des événements où tu auras envie de baisser les bras. It's called life. Ok? Que fais-tu au moment où tu es confronté à ces événements? C'est facile d'aller bien quand tout va bien. Mais est-ce que tu fais en sorte d'aller bien quand tout va mal? Et pour aller bien quand tout va mal, c'est pas en ayant un mindset d'auto-victimisation où tu vas défendre des principes qui te rendent faible. Mais en ayant un mindset qui te permet d'aller au-delà de tous les événements de la vie. Il n'y a pas 100 millions d'options. Donc j'espère que tu auras su intégrer les informations que je t'aurai partagées au cours de ces 20 minutes de vidéo. Il fallait l'exprimer. J'ai envie de faire partie du changement de cette société.
Malgré les claques que je risque de me prendre, je ne vais pas me plaindre des claques que je vais me prendre. Je vais porter mon courage et exprimer ma pensée jusqu'au bout. Parce que si tu n'aimes pas quelque chose, se plaindre de la chose ne va pas la changer. Par contre, exprimer, prendre des actions afin que cette chose change, ça va changer. Et comme le disait le docteur Jordan Peterson, avant de vouloir changer le monde, assure-toi que ton quotidien est en ordre. Mon quotidien est en ordre, mais ma vie relationnelle est en ordre, ma vie financière est en ordre, ma vie émotionnelle est en ordre, mon chez-moi structurel est en ordre, c'est pas le bordel. De par ce fait, je peux prendre la décision de m'occuper du monde. Mais c'est un peu comme les gens qui veulent changer le monde, ils sont pas capables de ranger leur chambre. One thing at a time, take care of yourself, then take care of everything else. Range ta chambre, préoccupe-toi de toi, et après on pourra voir le monde qu'on peut changer. En attendant, je ne veux pas participer à cette structure de monde et à cette idéologie qui est de plus en plus présente d'être une victime de sa propre vie. Si tu me suis depuis X nombre de mois ou X nombre d'années, je n'ai pas envie que toi, je n'ai pas envie d'ailleurs que qui que ce soit, mais encore moins toi qui me suis depuis longtemps, que tu adoptes ce rôle d'auto-victime. Donc c'est pas, je ne pense pas avoir fait en sorte de faire fructifier cette idéologie-là, même depuis le début de ma chaîne, malgré qu'il y a des choses avec lesquelles je suis plus en désaccord sur des trucs que j'ai pu dire par rapport aux émotions ou autres. Cependant, je n'ai jamais favorisé le rôle de la victime. Et je ne veux pas que tu fasses ça. Je veux que tu sois le pilote de ta propre vie et non la victime de ta propre vie. Tu as une existence, c'est à toi de choisir comment tu la vis. Donc si tu veux prendre dès maintenant des décisions, des actions que peut-être tu n'as jamais prises jusqu'à présent, du style t'inscrire à une formation en ligne, t'inscrire genre à ma formation en ligne. Oui, je vends des formations en ligne qui aident des gens. Au-delà de YouTube, parce qu'il y a un programme, il y a une structure qui permet d'avancer d'un point A à un point B, du point B au point C, du C au D. C'est ce qu'on appelle un modèle qui fonctionne, une structure. Donc j'ai cette formation qui s'appelle 30 jours pour être heureux, qui partage des habitudes, des comportements, des challenges, des choses que tu peux mettre en place dans ton quotidien pour forger ce mindset et faire en sorte d'être heureux dans ton quotidien au-delà des événements négatifs auxquels tu peux être confronté. Donc tu peux t'y inscrire dès maintenant sans trouver une excuse de je ne sais pas quelle excuse tu as envie de te trouver. Le lien est dans la description. Partage de la positivité dans les commentaires. Ça fait toujours du bien. Pour toi et pour moi. Tout le monde est content. Alléluia. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.